Le kidnapping. C'était la nuit. Toutes les petites filles dormaient. Ah, quelle jolie demeure! Je connais cette famille, elle est très nombreuse. D'ailleurs, il y a une petite fille que j'aime bien. Tiens, tiens. C'est quoi cette porte? Elle est plutôt difficile. On dirait qu'il faut un code. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Ah non, ça s'ouvre pas comme ça. Faut vraiment un code. 10 minutes plus tard. Ouais! Tiens, tiens, on dirait que j'ai réussi. Oui, je vais pouvoir entrer à l'intérieur. Tiens, ils ont des animaux. Mais bon, ça m'empêchera pas d'aller kidnapper la petite Chelsea. Oh, mais quelle chance que j'ai, la petite Chelsea est dans cette chambre. Youpi! Comment faire? C'est des lits superposés. Bon, je vais bien trouver une solution. Tiens, un billet de 100 euros sur leur table de nuit? Voilà qui est fait. Bon, on va passer à l'acte. Enfin, l'étape pour aller chercher cette petite. Je vais utiliser leur commode pour pouvoir monter dessus et pour pouvoir attraper Chelsea. Oui, j'y suis presque. Je vais l'attraper. Je l'ai eu. Vous êtes qui? Et en plus, vous m'avez réveillée. Oh, je suis ton père. Alors, pourquoi t'es habillée comme ça? Je connais tes vêtements, tu n'en as pas comme ça. Et tu n'es pas blond, papa, tu es châtain. Je me suis fait une teinture pendant la nuit. Je me suis acheté des nouveaux vêtements. Du shopping pendant la nuit? Comment dire? Mais tu vois bien que je suis ton père. Non, lâchez-moi! Non, petite. Je suis... Je vous connais pas en tout cas. Vous pouvez me lâcher. Il est tard et je suis fatiguée. Oui, mais moi, j'ai envie que tu viennes avec moi. Où ça? Dans ma maison. Et il y a un lit? Oui, il y a des lits enfants pour dormir. D'accord. Pour préciser, la petite Chelsea a 8 ans. Pourquoi tu as un billet de 100 euros dans tes mains? Parce que mes sœurs avaient le même sur leur table de nuit. Oh, j'ai pris un peu d'argent pour t'acheter de quoi faire l'affaire. Par exemple, tout ce que tu voudras. Comme des peluches? Oui, si tu veux. Mais ce billet de 100 euros m'appartient. D'accord. Allez, c'est parti. Après avoir fait tout le chemin, ils étaient arrivés chez l'homme. Bon, je te présente ma maison. Donc, à l'entrée, il y a une chambre. Enfant, fille. Mais il y a deux chambres. Il y a aussi celle à l'étage. Je veux voir la chambre à l'étage pour voir celle qui me convient le plus. D'accord. Voici la chambre de l'étage. Laquelle te plaît le plus? Celle-ci. Elle est très jolie. Je l'adore. Mais monsieur, vous m'avez dit que vous étiez mon père, mais vous m'avez dit que vous me présentez votre maison, donc vous m'avez menti. C'est pas bien de mentir à un enfant. Puisque en plus, on a toujours des preuves. C'est ma mère qui l'a dit. Tu sais quoi, je vais te dire un truc. Normalement, des vrais parents, ça surveille bien ses enfants. Mais pas pendant la nuit parce qu'on est censé dormir. Ma maman va faire des recherches. Je veux retourner chez moi, immédiatement. Non, désolée, tu vas rester ici. J'ai fermé toutes les sorties à clé. D'accord. Je te laisse, je vais préparer à manger. Toi, tu t'occupes dans ta chambre. Je vais t'enfermer. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu t'enfuis. Mais il y a un balcon derrière, il est fermé à clé. J'ai dit que toutes les sorties étaient fermées à clé, même les fenêtres. Regarde, en plus j'ai même rajouté les volets. Oh, sauf à ceux-là, tiens. Je vais les fermer, mais de toute façon tu vas rester enfermé dans ta chambre, tu m'as bien compris? C'est méchant!
Je te l'avais dit, je dois préparer à manger. Mais il est bête. Je dis que ça va être le dîner alors que c'est la nuit. Il m'a fait croire ça. Il me fait croire qu'en fait, on est juste le soir. Il a déréglé toutes les horloges. Il me fait croire qu'il est que 9 h du soir alors qu'il est 3 h du matin en vrai. Il me fait croire que c'est le dîner. Il me fait croire plein de choses. Il me ment. Je vais trouver quelque chose. C'est bon, tu vas pouvoir venir. Je vais faire un repas tout simple. Il faudrait que tu m'ouvres la porte, s'il te plaît. D'accord, j'arrive. Tu peux sortir et à table. D'accord. Dis-moi, Chelsea, tu as quel âge? 8 ans, pourquoi? Et tu as toujours une peluche? Oui, pourquoi? Ça fait pas un peu gamin pour une fille de ton âge? Et alors, les doudous, ça n'a pas d'âge. Oh, c'est vrai. T'as pas tort. Mais bon, à table, ce serait plus correct de la laisser dans ta chambre, non? Non, pour moi, une peluche a même le droit d'être emportée partout. C'est pas un être humain. Pour moi, si. Tu es en train de vexer mon doudou. Oh, c'est toujours ça, les petites. Allez, mange. Après le soi-disant dîner. Mais quand j'étais au lit, il était 3 h du matin. Comment se fait-il qu'il est 9 h du matin maintenant? Parce que les heures ont passé, tout simplement. Oui, mais de 3 h du matin, tu peux pas aller à 9 h du soir. Puisque après, il est 9 h du matin. Ben, comment dire, il y a eu un décalage horaire, ça nous a fait croire qu'il était 3 h du matin, mais en réalité, il est 9 h du soir. C'est faux? Mais non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, va prendre ta douche. Qu'est-ce que tu fais avec le téléphone? Rien du tout. Je voulais juste appeler ma tante. Pourquoi? Parce que c'est pour lui dire le cadeau de mon anniversaire que je veux. C'est quand ton anniversaire? Dans un mois. Et tu lui donnes déjà ta liste pour ton anniversaire? Ben oui. Hein, voyons. Et tu emmènes où ce téléphone? Dans la salle de bain. J'aime pas qu'on m'écoute parler au téléphone. Tu le remettras juste après que tu aies appelé. Tu me suis? Oui, bien sûr, oui, je le déposerai après, mais ça ne prendra que quelques minutes. Alors dépêche-toi!
Après s'être lavé. Vous ne me dites pas bonne nuit? Non, tu vas te débrouiller toute seule, tu vas t'endormir. Ça fait combien de temps que vous êtes assis sur la chaise? Bah, parce que je prends un dessert, je prends un deuxième repas et un deuxième dessert. Après, je prends une première boisson, je reprends un dessert et je reprends une boisson. Waouh. Et oui, c'est ça mon dîner du 3h du matin. Pardon, c'est ça mon dîner du soir, 9h du soir. Ah, oui, d'accord. La mère de Chelsea, Calista, avait appelé la police et avait tout expliqué. La police avait trouvé l'adresse de cet homme et quelques jours plus tard. Va ouvrir, sale gamine. Oui, bien sûr, j'y vais. Bonjour, nous sommes la police. Nous avons trouvé l'adresse d'un homme qui nous a été donnée par une femme nommée Calista Schwarzkopf. Et on m'a dit qu'il y avait une petite là-dedans que un homme avait kidnappée. Êtes-vous Chelsea Schwarzkopf? Oui, je suis Chelsea Schwarzkopf. C'est ma maman qui vous a envoyé. Oui, c'est ça. Où est cet homme? Enfin, où est l'homme? Du moins. Il est dans la cuisine, il est en train de déjeuner. Venez avec moi et vous allez chercher cet homme. Très bien, je vais lui mettre les menottes. Viens, Chelsea. Oui. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour kidnapping. Quoi? Vous êtes qui, vous, déjà? La police qui a été envoyée par Calista Schwarzkopf. Alors c'est donc sa mère qu'elle appelait. Menottes. Petite, il faut que tu viennes avec moi. C'est pour ton bien. Tu vas retrouver ta maman. Oui. On a juste une demi-heure de route et tu es re chez toi. J'ai hâte de revoir ma maman et mes sœurs. Ils me manquent. Allez, quand est-ce qu'on y va? Maintenant. Voilà, petite, tu reconnais ta maison? Oui, c'est ma maison. Merci beaucoup. Oh, mais de rien, c'est mon travail. Tu vas pouvoir retrouver ta maman. Tu n'as pas de sonnette? Non, il faut toquer à la porte. Attendez, je vais le faire. Entrez! Bonjour, je suis la police. C'est bien Chelsea Schwarzkopf, votre fille? Oui, c'est ma petite fille adorée, Chelsea! Maman! Oh, je suis vraiment heureuse de te revoir. Oh, franchement, ma petite Chelsea. Oh, ma chérie, moi aussi, je suis contente de te revoir. Oh, papa! Oh, Chocapic, je suis aussi contente de te revoir. Oui, Chelsea est revenue! Bon ben, madame, je vais vous laisser. Oh, en tout cas, merci beaucoup, madame, hein. Oh, mais de rien, c'est mon travail. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. Et on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. Au revoir.